Non, zéro réponse, pas de prise en charge, ou peu, une prise en charge très limitée sur les 5 premiers jours. Donc 5 jours de prise en charge sur une durée moyenne de 1 an, 2 ans, ça ne représente pas grand-chose. Et j'ai souhaité rencontrer des parlementaires, on va les voir dans 15 jours, pour qu'ils se positionnent sur ce sujet. Il faut qu'ils reviennent vers le gouvernement pour modifier la notion de prise en charge, sinon on est face au mur. Et on veut en même temps aller dans ce détail et pouvoir s'adresser à ces jeunes mineurs, la plupart sont mineurs, certains ne le sont pas, pour leur donner les conditions d'accueil pour ceux qui veulent rester, se former et travailler dans notre pays. On en a besoin également. Donc c'est cette réflexion sociale, sociétale et sociale en même temps, que j'ai voulu porter avec Josiane Ley, Françoise Camusso, mes collègues vice-présidentes. Et nous allons nous avancer sur l'organisation d'un accueil un peu différencié, qualitatif, qui sera prévu d'ici la fin de l'année.